Donc, tu voulais parler de foot et d'un événement, en fait, de la polémique qu'on a déjà eu l'année dernière avec euh, Idriss Agey, euh, C'est ah oui. que chaque jour, en fait, euh, depuis, euh, je crois, que ça fait deux, trois. Je sais pas pourquoi tu as Roussel. Sur... J'ai Roussel, Roussel en fond d'écran. Mets-le, Mets-le. Peut-être qu'on <laughs> va le voir. Que... Mets-le, Mets-le, Mets-le. Peut-être qu'on va voir euh, Roussel euh, sur le. Ouais, C'était le but, en fait. Je euh, vais ah. voir si on voit. Je vais te dire si on voit. Ah, on voit. ah oui, on voit bien. <laughs> Décale-le un peu. Décale-le un peu. Comme ça, là. Non, de l'autre côté. Voilà, on voit juste son regard bon c'est pas grave voilà. on a peut-être ajusté un petit peu' mais, besoin de mon téléphone, mais on je voit c'est pour qu'il nous surveille et donc je disais chaque année il y a le truc sur euh, contre la journée contre l'homophobie dans lequel les maillots sont, les numéros sont floqués euh, aux couleurs de l'arc en ciel LGBT et donc on a découvert qu'encore cette année des joueurs ont refusé de porter ce maillot et d'ailleurs il euh, y, y a quand même un changement par rapport à l'année dernière c'est que là les joueurs l'affirment parce que l'année dernière etdri Sague c'était en off c'était juste qu'il y avait un truc euh, euh, diplomatique, euh, blessure diplomatique, on va dire. Et donc, après, les gens ont sorti qu'ils n'avaient pas voulu jouer ce jour-là. Mais là, ce sont des joueurs qui ont décidé de ne pas vouloir participer au match parce qu'il y avait les flocages euh, LGBT. Et donc, tu voulais intervenir sur ça, euh, Samir. Bah, oui, parce qu'en en fait, euh, comme tu as dit, donc, ça fait plusieurs années que euh, donc, euh, cette opération euh, a lieu au niveau euh, du football français. Et, euh, et donc... Euh, Techniquement, qu'est-ce qui se passe En fait, les maillots, donc comme tu l'as dit, sont floqués euh, aux couleurs arc-en-ciel. Les arbitres, les, les, euh, tout ce qui est euh, entraîneur, etc., portent un brassard euh, arc-en-ciel. Et en fait, euh, avant le match, il y avait aussi un, un affichage avec des photos, etc., qui qui, euh, où on pouvait lire euh, hétéro. Euh, merde, j'ai oublié le. Euh, homo ou hétéro, euh, on a le même maillot. Enfin. On... Je... Voilà. C'était ouais, un peu l'idée de on n'a pas le même maillot mais, mais on a la, la même, même passion c'est là on a la même maillot. on porte le même maillot c'est-à-dire on est on est tous les mêmes quoi et euh... et donc il se passe que il y a un certain nombre de joueurs en fait qui ne souhaitent pas euh, s'associer à cette campagne d'accord et, euh, et chaque année donc y a la polémique euh, enfle chaque année et, en... et on peut euh, entendre dans certains dans certains médias que il y a un lien qui est fait entre le, le nom des joueurs, le, la, la personnalité mmh. des joueurs, le fait qu'ils soient. dire leur, leur origine, leur couleur. Voilà, hein. tout à fait. Et le fait qu'ils soient d'origine euh, maghrébine, afrique, euh, noire, af af noir, et souvent de confession euh, musulmane. Bah après, on ne va pas y aller par quatre chemins. Ce sont surtout des joueurs noirs et arabes euh, et musulmans qui, euh, ouvertement, le, le refusent. Factuellement, c'est ce qui se passe, oh, bien ouais. sûr. Parce que les gens vous dire ah ouais, encore, des... Après, comme tu as dit aussi, oui, Sam, euh, jusqu'à présent, ça se faisait dans une sorte d'hypocrisie, c'est-à-dire que les gens soient portés pâles, comme on dit, euh, ils étaient. Euh, on, 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 on omettait de dire qu'ils. Enfin, qu pour la raison pour laquelle ils n'étaient pas ouais, présents. Voilà. <laughs> Bref, ils disparaissaient du, du, des radars pendant, pendant 48 heures, 72 heures, et puis ils revenaient. Sauf que, forcément, je pense qu'il y a eu aussi bien des enquêtes que euh, aussi des positions qui ont été prises par des clubs. Ouais. C'est-à-dire que là, cette année, pour la première fois, il y a des clubs qui ont commencé à sanctionner les joueurs ouais. euh, qui n'ont pas souhaité euh, s'associer. Et il y a aussi euh, des joueurs qui ont oui, souhaité... Après, la, la, la campagne, c'est aussi assez récent, qui mettent euh, le drapeau LGBT dans les C'est-à-dire pas... que jusqu'à présent, euh, il y, a, y avait souvent une banderole qui Merci, était euh, Farid. Qui Merci présentée euh, avant le match. Et euh, les, euh, les protagonistes du match se, pr se faisaient prendre en photo derrière. Mais en, fin, en fait, il y a une sorte, on va dire, une petite montée en puissance. C'est-à-dire qu'on demande aux au joueurs en particulier de, de, de s'impliquer mm -hmm. euh, de plus en plus dans la campagne. Et j'ai envie de dire, sans qu'ils aient leur, leur mot à dire. Ouais. C'est-à-dire, quand le maillot il est floqué, bon bah il est floqué. Quoi. Tu, tu le mets ou tu le mets pas. Tu vois ce que je veux dire Si tu le mets, si de fait, tu participes à la campagne. Merci, Mehdi. Donc euh, et donc il y a un, notamment un joueur qui s'appelle Abou ouais. qui est un joueur du, euh, du TFC du Toulouse Football Club qui est un, donc un des plus grands clubs français hein. et donc qui n'a pas souhaité euh, participer qui a été donc qui n'était pas, pas présent au match et qui s'est justifié de la manière suivante j'ai pris la décision de ne pas participer au match d'aujourd'hui. Avant tout, je tiens à souligner que j'ai la plus grande estime pour chaque personne, quelles que soient ses préférences personnelles, son sexe, sa religion, ses origines. Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes convictions personnelles. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à la rencontre. J'espère que ma décision sera traitée avec respect, tout comme nous demandons le respect. Mmh. Donc, euh, vas-y, vas-y. Non mais ce qui est intéressant. Alors je demanderai juste si Omar peut baisser juste un tout petit peu le son de mon mi de, de mon casque parce qu'en fait c'est très très fort. Euh, euh, là j'entends plus rien. Un, un deux un deux. Euh, alors peut-être. Ouais, là c'est là c'est bien c'est parfait. C'est parfait, merci beaucoup. Euh, non, mais ce qui est intéressant, parce que en fait, sur, euh, sur Twitter, as, euh, les, les seules réactions qu'on qu a et qui sont pas intéressantes, en fait, c'est soit la condamnation, euh, soit l'approbation totale et tout. Tu euh, vois, tu as le, te, le, le camp des pour et le camp des contre. Et en fait, au final, tu n'as pas une analyse de, du, du phénomène. Genre, comment ça se fait qu'il y a ça que, ouais. Quelles sont les raisons des joueurs Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes à étudier c'est. Les raisons des joueurs, comment ça se fait que des joueurs refusent de, de porter le maillot et tout. Et le deuxième cas, c'est aussi le cas du traitement, tu vois. Du traitement, le tout traitement tout médiatique et politique euh, de tout ça. Alors tu vois là, comme on était sur la, la réaction d'Aboukla, je voulais déjà commencer sur euh, d'abord les raisons supposées, parce que je veux dire, elles n'ont pas été. Il euh, y a aucun joueur qui est venu à une, à une tribune ou à une conférence de presse en disant voilà, moi, je ne souhaite pas participer à cette action car je suis musulman et que ma, ma religion m'interdit. Il n'y a aucun joueur qui a fait ça aucun joueur qui a dit euh, « je, je ne souhaite pas participer à cette action car l'homosexualité euh, me répugne. » Je dis n'importe quoi. Et, euh, et euh, donc, euh, du coup, je suis, il est hors de question qu'il n'y a, y a pas eu ce genre d'affirmation. J'ai envie de dire, bon, heureusement, mais euh, en tout cas, faut, il faut le dire, ça n'a pas eu lieu. À chaque fois, donc, on parle de conviction, on parle de respect, etc. Et après, euh, à chacun de, j'allais dire, de, de, de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Y a, après, il y a des choses un peu objective, tu vois, il y a des choses un peu objectives, c'est que euh, dans, parmi ces joueurs-là, je ne cite, citerai pas forcément le joueur, mais parmi ces joueurs-là, il y a des joueurs qui sont de nationalité étrangère, dont la famille euh, réside à l'étranger, d'accord Et, euh, et, et euh, dont les répercussions des actions peuvent avoir des, des, des répercussions ouais, euh, sur les familles. Donc ça, c'est concret. Un peu, ça me fait penser, j'en parlais tout à l'heure avec Wissam, aux, aux gens qui se sont coupés une mèche de cheveux euh, pour soutenir l'Iran. Par contre, le jour où il y a eu des décapitations, euh, là, ils n'étaient pas là. Tu mmh. vois Donc c'est une chose d'intimer euh, 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 l'ordre de, de, de promouvoir un certain euh, progressisme. C'est une autre chose d'en assumer. Euh, les conséquences matérielles, mmh. voilà. c'est ouais. Moi, si vous voulez, pour moi, la, le premier point de discussion, il est là-dessus. Et la, et la discussion le deuxième point que je, je voudrais, en, en pouvoir en discuter avec vous, parce que je n'ai pas d'avis tranché comme ça, c'est est-ce que, bah pourquoi, entre guillemets, le, le, le monde médiatique, politique, euh, euh, comment dirais-je, interprète cette, ce refus de participer comme un acte d'homophobie ouais. Et, et est-ce un acte d'homophobie Vas-y, euh, Youssef. Non, vas toi, non, non vas-y, vas-y. Euh, Excuse-moi, mais juste pour poser les trucs du débat, c'est euh, parce que je, je, je connais les gens, je, je, sais les, je connais les polémiques et tout. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, parce que c'est ça le problème avec les, euh, les invectives en mode pour ou contre, c'est que ça empêche de réfléchir. Là, l'idée, c'est de vraiment avoir une vraie discussion sur ce phénomène et tout, ce qui n'est pas fait en fait. Et on va juste se contenter de, de condamnation ou d'approbation morale. Et au fond, on va rien régler au sujet, alors que là, ce qui serait intéressant, et même notamment avec le chat, c'est d'en discuter, vraiment. Vas-y, euh, Youssef, excuse-moi. Bah, non, non, tu n'as pas t'excuser Non, non, mais c'est vrai, c'est une, une grave question, c'est un grand débat. Mais euh, d'emblée, bon, parce qu'on ne va pas entamer tout un débat. Mais d'emblée, il y a une chose, moi, ça ne m'étonne absolument pas. Je veux dire, euh, la première question, comme, comme tu l'as dit, d'abord, c'est le choix. Il euh, y, y a différents niveaux. Le premier, le premier pour, pourquoi est-ce que. Bon, C'est est la journée internationale hein, contre l'homophobie. C'est très bien. Il existe d'autres journées internationales contre le racisme, contre la pauvreté, etc. Vous le savez. Hein. Et euh, à aucun moment, on va obliger des joueurs à porter un maillot contre la pauvreté on va obliger des joueurs à porter un maillot contre le racisme, etc. Dans ce choix, alors encore une fois, euh, ce n'est pas du tout une, 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 une défiance par rapport euh, aux membres de la communauté LGBT, etc. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a trois positions. Il y a des gens qui vont être farouchement contre, d'autres qui vont être pour, et d'autres qui, qui vont invoquer la neutralité. Mmh. Mais la neutralité ne veut pas dire l'opposition. Euh, L'attitude la, de pas mal de musulmans par rapport à ça. D'ailleurs, ça avait été très bien expliqué par euh, Tarek Ramadan, euh, parce qu'il était interpellé sur la question. Il dit euh, euh, on peut très bien ne, ne pas être contre l'homophobie. Ne pas être pour, mais ça n'empêche pas le respect. Mmh. On peut très bien ne pas porter un maillot LGBT et respecter les gens de la communauté LGBT. Et, et c'est ce droit, euh, pas l'indifférence, c'est pas une indifférence. Parce qu'effectivement, euh, comment euh, s'il y avait une, une banderole au fond du stade qui dirait Il n'y aurait pas de problème, mais là on demande aux gens, et comme tu l'as dit, de s'impliquer directement, de se, de se faire les porte drapeaux eux mêmes de quelque chose, euh, une chose avec laquelle, au plan religieux. Ils peuvent être en désaccord. Ça ne veut pas dire qu'ils manquent de respect euh, aux membres de la communauté. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts, euh, qu'ils vont, qu vont hurler avec les loups, pas du tout. Et je pense que même beaucoup de ces gens-là, si jamais euh, un homosexuel était, était frappé ou attaqué en tant qu'homosexuel, eux-mêmes réagiraient. Mmh. C'est ce qu'ici on Mais... ne peut pas comprendre. En on intime fait... l'ordre, c'est une injonction. Et je pense que, excuse-moi, jusque comme toute injonction. <laughs> Venant de l'impérialisme, parce qu'il y a encore tout un débat qui a très bien été expliqué entre autres, par Ouria euh, Boutelja dans, 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 dans son bouquin, parce que c'est aussi une chose qu'on lui reproche, c'est que comment se fait-il que l'impérialisme qu euh, a décidé un jour de dire, voilà, nous allons devenir le porte-drapeau de mmh. la communauté LGBT. Mmh. Euh, L'impalais, ça n'a jamais dit, nous allons devenir les porte-drapeaux euh, des personnes racisées. Nous, avons, nous, avons, nous, avons, euh, nous allons devenir les porte-drapeaux du peuple palestinien ou du peuple kurde, etc. Non, on va, on va décider effectivement euh, comment que ça va être la communauté LGBT. Pourquoi C'est ce qu'on appelle une OPA. C'est une OPA sur une cause, et ce n'est pas du tout une façon de bien faire comprendre cette cause. Quand l'impérialisme s'empare de quelque chose, il le pourrit immanquablement. Et cette pourriture, elle va. Cette pourriture, cette façon de pourrir les choses, attention, je parle de la, la façon dont l'impérialisme s'empare de la, la chose. Et, et, et le, les, les communautés LGBT, à tout notre respect, bien évidemment. Mais cette, par, cette façon de s'en emparer, eh bien d'une certaine façon, eh bien, euh, on, on, la, on, la, on la met en porte-à-faux avec des populations. Et cela, d'ailleurs, a été le cas en Afrique. Hein, ça avait été très bien expliqué par, euh, par Ruyaboutadja dans une, dans, une, dans, 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 dans une intervention. Euh, en Afrique, vous vous souvenez, il y avait eu euh, un moment Enfin, les, le gouvernement des États-Unis, c'était euh, Clinton, Madame Clinton, hein, qui avait dit. Euh, c'était par rapport à l'Égypte même, euh, qui, a, qui avait dit euh, nous, nous, te, nous sommes vraiment partie prenante de ce combat euh, pour la communauté LGBT, mmh. hein, et c'est pareil pour les femmes, etc. Et, et, et euh, la réaction, bah, c'est que la, il, a, la... il a, il a long. Ben hein. bah, oui, je suis un peu loin. Ah, oui, mais... c'est un beau tunnel, ouais. mais c'est un beau tunnel. Je termine ah. juste la phrase. Ah. Le problème, c'est que cela a entraîné des réactions d'hostilité. Hein, euh, automatiquement, parce que les gens disent Ah bon, on veut nous imposer cela, etc. Donc voilà. Mais ah, comme je t'ai dit au départ, il y, y a la question de. Euh, moi, il y a un peu l'hypocrisie de la, de la FFF qui essaye de se redorer le blason avec euh, une, une action, euh, comme si, euh, au final, du seul point de vue de la question de, de l'homophobie, est-ce que vraiment ils luttent euh, vraiment contre l'homophobie où ils se contentent de faire euh, le le, 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 le... voilà euh, le, le pinkwashing là on, est on dans le, le pinkwashing bah, et, et d'ailleurs ouais. je vois des gens qui disent ça tout racisme et moi c'est un, un exemple intéressant parce que euh, ça aussi mais nous on en a rien à foutre du brassard ça racisme tout racisme bah oui. qu'est-ce que c'est cette action la raison c'est la LFP c'est là en l'occurrence pardon LFP la non mais en plus c'est important parce que pour des trucs que j'ai dire après la Ligue de football professionnel la LFP mais bon tu une émanation quand même de la FFF la ligue c'est le, la ligue de football professionnel, c'est c'est l'instance voilà qui organise les, les non, compétitions professionnelles. Déjà pour moi il y a un peu ce, cette idée de se racheter un peu un crédit euh, pro LGBT euh, sur peu de frais et tout. Le truc du sein autour racisme, on en a rien à foutre, mais ça évidemment. ne sert à rien. Céino, non mais en plus, dire, aussi, on va reprendre, on va reprendre moi ce qui, ce qui m'amuse c'est qu'on fait comme si c'était les seuls joueurs qui refusaient de porter ce truc ce, ce le ce truc ce euh, le, le, le maillot avec euh, floqué LGBT qui serait homophobe. Merci. Comme vous dire que tous, Un tous les de autres de joueurs, rapide, tous les, merci R merci beaucoup, de rapi. De rapi, merci beaucoup. merci Larus, comme si tous les autres joueurs, tout le reste, était euh, contre l'homophobie, tu vois. Genre ça c'est comme ça que tu vérifies qui est pour l'homophobie, qui est contre l'homophobie. Alors... alors que ça qui est Alors que ça devrait pas coûter, euh, ça coûte pas ça coûte pas autant d'énergie. Il y en a plein ils s'en foutent en fait ils mettent ça mais ils détestent quand même les bah, homosexuels attends, euh, Oui Sam il y a 2-3 ans. Il y a eu une, euh, une autre ministre qui avait voulu faire euh, justement un, une campagne contre oui. l'homophobie et qui avait demandé à ce qu'on arrête les matchs à chaque fois qu'il y avait un slogan ou un, une banderole euh, à caractère homophobe. Ouais. Il y a eu une, un, un déferlement, si tu veux, après. Alors ça, ils ont, ils ont transformé ça un peu de manière humoristique en faisant euh, des banderoles justement euh, qui pouvaient être, tu Il vois, tourné, ça, ouais. voilà, qui détournaient, etc. Et ils se sont rendus compte que c'était contreproductif, il... contre mais que euh, c'était beaucoup plus difficile justement de s'attaquer là, alors euh, de s'attaquer au réel, on va dire, manifestation qui était caractérisée comme homophobe, bon, bon, des fois de dire euh, arbitre, euh, 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 de dire certains mots concernant l'arbitre ou des joueurs euh, était était considéré comme homophobe. Alors déjà il y avait le débat là-dessus, mais même si on partait du principe que bon c'était homophobe de dire le mot, bon je peux dire le mot, euh, le mot euh, il euh, ouais, faut, faut, faut mieux éviter. Bon bah en tout cas c'est ce mot-là. Est-ce euh, que le, le fait de dire ce mot-là était un acte homophobe ou est-ce que c'était voilà dans la culture un peu euh, populaire de dire bon comme un enfoiré, comme un salaud, etc. Et, euh, et il se trouve que eux, ils ont fait machine arrière, d'accord. Donc déjà mmh. euh, sur les actions qui étaient qui étaient en, on va dire en cours ils, ils se sont arrêtés. Et là, moi, ce qui me, ce qui me révolte, c'est qu'en fait, comme il disait, il y a des, des, de l'homophobie. Bien sûr qu'il y en a dans le foot. Bah bien sûr, sûr qu'il y en a bien dans sûr. le foot. Moi, j'ai joué au foot et je suis encore dans, dans le milieu, on va dire, foot amateur, etc. Viril, et c'est très viril, etc. Et bien sûr qu'il y a de l'homophobie dans le foot. C'est pas ça qu'on n'est on pas en train de dire qu'il n'y a pas d'homophobie dans le foot. Mmh. C'est dire, les gars, on ne va pas porter le chapeau pour vous. Mmh. On ne va pas porter le chapeau pour vous. Ça, c'est niette. Ouais. Parce que, que on puisse dire à ces joueurs. Voilà, franchement, vous auriez pu faire un effort, euh, mettre... euh, alors que, comme on disait juste avant, certains, peut-être, euh, leur famille pourrait en, en pâtir. C'est déjà discutable, tu vois. Mmh. Mais de dire, euh, c'est le seul problème euh, qui, qui, qui concerne l'homophobie dans le football, c'est d'une rare hypocrisie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, oui, c'était pour dit, faire non, un. Pas... Ah, pardon, excuse-moi. J'en bah, ai pour vraiment 20, 20 secondes. Vraiment pour 20 <laughs> secondes. C et c'est encore d'une. Là, on est encore à un niveau d'hypocrisie encore plus élevé. C'est que, qu'on le veuille ou non, l'un des problèmes principaux, on va dire, dans le football et où il y a vraiment des manifestations régulières, euh, euh, violentes, euh, vraiment euh, pff, abjectes, c'est sur le racisme, donc notamment la négrophobie. Quand on parle des jets de bananes, des cris de singes, euh, des, des chants, de, des, de, tout ce que tu veux, euh, sur les différentes communautés, il y a Azadi qui est juste là derrière moi. Ça m'a fait penser à ce, à ce que tu nous avais partagé euh, durant le, euh, euh, je crois, le, tremblement de terre. Ouais. Au moment du tremblement de terre, les, 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 euh, les, les supporters kurdes qui, euh, qui, ne, euh, qui ne, voulaient pas, il euh, n'y avait pas, il y avait des les supporters kurdes, mais pas ça n'avait rien à voir avec le, le tremblement de terre. Il n'y avait pas de lien, d'accord euh, Non, 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 mais parce que j'avais ouais. l'impression que c'était à peu près... Mais bon, en, là, on est sur des problématiques euh, réelles. Les groupes d'ultra, les groupes de, vraiment de nazis, ils ont fait quoi Depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ont fait quoi ouais. Depuis tout ce temps-là Alors que les mecs sont identifiés, on, les actes sont, sont filmés, et ils n'ont rien fait. Tu vois Et là non seulement, je dis pas que c'est une, une problématique secondaire, mais en tout cas, euh, on, on, ils font une, une action, mais ils, au, à une finée, cette action, elle leur sert à quoi À pointer du doigt quatre euh, ou cinq personnes qui souhaitent pas y participer, ouais. et, 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 et en plus, avec euh, moi pour avoir suivi plusieurs débats, avec toujours ce côté, euh, oui, c'est culturel, tu vois, c'est ouais. culturel, c'est à dire que s'ils le font pas, c'est de par leur, leur conviction religieuse, pardon, oui Sam. Non, mais bah alors, moi je voulais que vous coupiez, pour revenir sur le Seinot -ra -seino au racisme, donc déjà il y a la symbolique, qu'on s'en fout. Euh, après ils vont nous dire, oui mais si un joueur refuse de, de, de porter le brassard Moi je serais, moi, je serais intéressé de, de comprendre les raisons et tout, de pourquoi il ne porte pas le brassard Après nous on est en mode, mais le problème ce ne serait pas ce joueur là, ce serait le, les structures je veux dire le, Même dans, dans la structure du foot, de la FFF, de la FIFA, euh, qui a des fonctionnements euh, totalement racistes et tout Donc c'est ça qui nous intéresserait davantage Et puis je voudrais rappeler qu'il y a un joueur, il a, il a fait euh, 20 ans de carrière en étant clairement fasciste hein. On se rappelle de Paolo Di Cagno ça n'a pas il posé de problème. Il faisait des saluts nazis. Il n'y a jamais eu l'idée de, de l'expulser ou je sais pas quoi. Il a pu jouer. Euh, il voilà, y, y, y a toujours. Euh, là, dernièrement, il y a, y a Galtier, Christophe Galtier. Il y a des rumeurs sur lui. Quelles quelle actions ont été faites et, et Christophe Galtier pourrait très bien mettre un brassard de merde, C'est tout racisme. Euh, alors que même l'islamophobie le, le, et le racisme, ah, c'est quelque chose de très courant dans, 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 dans le sport, dans le foot. Et On l'avait vu avec Laurent Blanc, sur, avec les quotas. Sur la différence de Seyno racisme, moi, je serais intéressé de voir aussi ça serait euh, de voir la différence de participation entre porter un brassard qui dit ⁇ Say no to homophobie ⁇ ou dire non à l'homophobie ⁇ et un drapeau LGBT. Alors, à tort ou à raison, pour certains, le drapeau LGBT, c'est adhérer à une idéologie. Alors, je ne dis pas qu'ils ont raison, hein, mais dans l'esprit de beaucoup de gens, entre dire non à l'homophobie et... Ad, euh, arborer un drapeau LGBT, c'est autre chose vraiment dans leur... C'est un autre engagement. C'est un autre engagement. À tort ou à raison, mais ça serait intéressant de voir vraiment euh, les différentes, euh, les, 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 les différentes motivations. Hein, ouais. ouais, par rapport à ça. Donc, euh, et il y avait un dernier truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Alors, il y a aussi le traitement médiatique et tout. Et euh, et voilà quoi. Putain, j'ai oublié le dernier truc que je voulais dire. Ça te reviendra. Ouais. Vas-y uh, Youssef Bah oui c'est ça En fait tout a été dit c est, c est, c est, le, le, le problème C'est que la société Est structurellement homophobe Comme elle est structurellement euh, Raciste Structurellement antisémite Structurellement négrophobe Structurellement Comment euh, euh, Islamophobe etc Donc euh, le, le problème est, C'est est, est, l'effet des structures Et la question Est de savoir comment euh, Comment on lutte contre cela Et certainement pas à la, à la manière euh, Je vais dire à la manière SOS racisme hein, Où il mmh. suffit juste de repeindre hein, de ripolliner Avec un drapeau etc Et je pense que C'est une très mauvaise chose C'est exactement comme, comme euh, lor Lorsqu'un gouvernement impérialiste pas la liste la cause antiraciste, comme ce fut le cas avec Mitterrand dans les années 80, avec SOS Racisme. Hein. Donc, du coup, on pense que non, ça donne bonne conscience. Mais surtout, là, le problème, en l'occurrence, puisque ça se passe dans le foot et surtout euh, à l'encontre de joueurs qui sont clairement euh, arabes, noirs, etc., euh, musulmans, ça permet de, de les stigmatiser, encore une fois. Et, 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 et même, même de renforcer l'islamophobie. L'islamophobie, parce que. Alors, il y a toute une. Non, parce qu'il y a toute. Ah, ah, vous avez fait deux tunnels, j'ai très... Ah non, mais moi, j'ai bien écouté. Et... J'ai été très con. J'ai hein, fait, un fait, un petit... hein. fait un petit tunnel. Moi, c'était un tout petit tunnel. Et je termine juste en disant. Je termine juste en disant qu'on on sait très bien qu'il y a des tas de fachos aussi. Qui se servent, on l'a vu dans, dans, dans certains pays du Nord, qui se servent de la cause LGBT pour renforcer l'islamophobie. Ouais. Hein, il y a même eu des, des, des crimes, comme euh, voilà un peu ce que je disais. On, ouais. on est même un grand leader, on avait même un grand leader d'extrême droite euh, hyper facho, hyper islamophobe dans les pays du Nord là, hein, qui, qui était, qui était, qui, il se trouve qu'il était, qui, qui, qui était pro LGBT et qui était. Donc voilà, le problème il est là aussi, c'est mmh. comment on, on instrumentalise des causes. L'homonationalisme. Comme... Et lhomo comment l'instrument, comment, comment, comment euh, l'impérialisme instrumentalise des causes comme ça, hein. et ça pourrait Pareil avec d'autres causes. Ouais. Mais en fait, ça m'a fait rebondir sur aussi de comprendre les raisons euh, pour lesquelles ces joueurs ne portent pas ce, euh, le, ce, ce drapeau. Donc, déjà, il y a l'idée d'adhésion à une idéologie. Je pense que dans beaucoup de gens, il y a ça. Alors, encore une fois, il faut toujours préciser comprendre, ce n'est pas excuser. Comprendre, ça ne veut pas dire qu'ils ont, qu ont raison, mais comprendre les raisons. Qu'est-ce qu 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 qui les a poussés à faire ça Et aussi, je pense que les gens ne se rendent pas compte, de, déjà, de la réactance que ça peut provoquer. Euh, voilà, de, Pourquoi tu dis réactance bah en fait, euh, tous les... Bah, pourquoi par réaction, je dirais... Non, bah... c'est le mot réactance, je ne pas. Ah je ne sais pas, là, je, je, là ah, okay. c'est un débat d'experts. là. Je... Ah, D'accord, vas-y. Ouais, j'ai toujours utilisé réactance pour... Euh, tu ah, oui, sais, c'était un peu ce truc un peu épidermique. La, la capacité à réagir. Euh, ouais, je ne sais pas. Là, vous me posez une colle. Bon, c'est pas grave, vas-y, continue. Pas... Je t'ai interrompu. Mais euh, oui, et euh, donc, il y a aussi, parfois, t es, t es, euh, ce qu'il ne voit pas, c'est comment chez les joueurs, il peut avoir une idée de... Et, et encore une fois, ça, on n'est pas dans l'ordre moral, on n'est pas dans l'idée de « est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?» Mais pour beaucoup de joueurs, il y a « quand c'est nous, il oui. n'y a rien ». C'est-à-dire qu'on demande des petits trucs, genre juste euh, une minute pour manger oui. une date, pour boire oui. oui. du lait, oui. on nous interdit oui, tout, on nous interdit tout, oui. on oui. doit être invisible, on doit mur, rien dire, on doit rien là. faire, oui. on doit fermer notre gueule et tout, et eux, oui, ils ont tout pour eux, tu vois c'est pas du tout que je suis pas en train ça de dire qu'ils ont raison, non, mais, ça mais voilà, il y a cette idée là que bien, bien ah, pour nous il n'y a rien et tout. Et c'est là où il y a de la réaction, c'est ah bon c'est comme ça et eh ben je vais être ferme sur mes principes vous voulez pas, bah ben, moi aussi je veux pas je, je vais pas arborer ce drapeau et tout donc en fait il faut voir aussi la complexité des, des réactions ça, et, en fait, et, et fait, pas juste la condamnation, la condamnation en fait parce que c'est vraiment un truc on est qui dans sert un juste... nœud imbriqué oui. mm. juste pour finir c'est vraiment un truc qui sert juste à se donner bonne conscience, sûr, oui, les gens qui voient des, 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 des arabes et des noirs qui portent pas le, le drapeau ils <coughs> sont ah ben bravo ah ben, bah fin, oui, super niveau bah durée de la réflexion pour poursuivre Arrêtez de tuer. Poli politiser le sport. Arrêtez de politiser le sport. Ils arrêtent pas de dire ça. Il voilà, n'y a plus de truc de arrêter voilà. de politiser. Mais le attends, sport. A, euh, attends, attends, juste une réponse, seconde, s'il te plaît. Réponse, a qui, à qui Il dit Mais le racisme et l'ophobie participent de la même logique. Je vois pas pourquoi vous opposez on n'a rien opposé, justement. Déjà, ce n'est pas totalement mais... les mêmes logiques. Il y a des points communs, mais ce n'est pas totalement les mêmes logiques. Oui. Et on n'est pas en train d'opposer. C'est pas nous qui opposons. Bah, oui. dire, quand tu es, 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 es un joueur musulman, que tu vois que là, il y a une polémique. Il y a une polémique sur. Tu as des joueurs qui ont été euh, refusés du groupe parce qu'ils faisaient le ramadan. Ça va rentrer dans leur tête, ça va leur dire, mais comment ça se fait que... Pour, parce que pour eux, bah, attendez, deux le deux racisme, c'est comme l'homophobie, c'est mal. Pourquoi vous nous empêchez et, ça, voilà. ouais. et donc cette idée de deux poids, deux mesures, euh, ça va provoquer ce genre de réaction en mode, ah bon, c'est comme ça, et ben bah, je ne vais pas le faire. Ouais. Moi, je pense que sans, sans, sans parler d'opposition entre la question du racisme et la question de l'homophobie, je trouve qu'il est tout à fait euh, légitime, et je dirais même qu'il est sain, qu'un qu joueur... Euh, indigène, ouais, je vais dire ça comme ça, qu'un joueur indigène se, se, se questionne, justement, mmh. se questionne. Il y a eu, tu as dit, ouais, l'histoire du ramadan. Il y a eu, donc euh, maintenant, cette histoire où on stigmatise, parce que même si c'est que 4 ou 5 joueurs qui ont refusé ou qui ont été exclus des matchs, on sait très bien qu'il y avait beaucoup plus de joueurs, on le sait, hein, Il y avait beaucoup, beaucoup plus de joueurs qui ne souhaitaient pas. Euh, participer. Il y a aussi euh, une autre question actuellement qui est très très présente dans le football euh, européen, c'est la binationalité euh, de certains joueurs et donc le fait que beaucoup de joueurs euh, se tournent désormais vers euh, le pays d'origine de leurs parents. Ça aussi, ils l euh, le football européen, la mauvaise parce que ouais. parce que ils forment les avec joueurs. Quel rapport, je veux dire, avec euh, notre question euh, bah, Quel rapport C'est qu'en en fait, euh, autour des populations, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on crée un climat autour des joueurs. Euh, de, 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 de certains euh, provenant de certaines euh, régions du monde, notamment de l'Afrique euh, subsaharienne, du, euh, de, de l'Afrique du Nord, etc. Et, et ça plus ça plus ça, si tu veux, ça crée un climat de défiance et, un, et une pression un peu permanente où on, on est en permanence en train d'interroger la fiabilité, l'intégrité. Euh, Là, j'allais dire la, 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 la progressisme, compatibilité. La, tu vois, la compatibilité ouais. avec le modèle progressiste que tente de euh, d'imposer bah, la société capitaliste, comme tu dis, euh, et euh, le, le, le capitalisme euh, du football en, en particulier. Et, et par contre, tu vois, ce qui est, il euh, y, y a un autre truc qui me vient à l'esprit, qui est qui est quand même assez cocasse, c'est que depuis quatre, euh, trois ou quatre années. La Ligue de Football Professionnel, elle organise un match qui s'appelle le Trophée des Champions. C'est le vainqueur du championnat de France oui. contre le, le vainqueur de la Coupe de France. Et ce match, depuis trois ans, a lieu où En Israël. A Tel Aviv. A Tel Aviv, absolument. Mmh. Donc là, si vous, vous voulez, personne, ouais. si vous voulez, on, on atteint des fois des, des niveaux, euh, de, de, j'allais dire, d'hypocrisie qui sont juste à vomir. Et donc, pour, pour sortir par le haut, peut-être qu'on pourrait se dire que c'est quelque part positif. Euh, cette, cette réaction, parce que c'est peut-être un, une, euh, un, un, une manière de, de marquer. Alors, elle est, elle, elle, elle est pas dénuée de risques parce que justement, il y a cette suspicion euh, d'homophobie qui, qui plane, mais une façon de, de marquer tout, toutes ces hypocrisies hypocrisie, ça, et, oui. et de dire non, à un moment donné, moi je, moi, je marche pas. C'est-à-dire que c'est pas les causes. Euh, que vous défendez euh, nous on est obligé est euh, le prête, le prête on est obligé d'y souscrire et les causes que nous on défend par exemple lorsque un, une personne montre un drapeau palestinien dans mmh. le parc des princes et qu'elle se fait expulser du stade mmh. à, à un moment donné il y a une incohérence euh, j'allais dire euh, euh, philosophique et peut-être ouais, et peut-être les... que ces joueurs là je dis pas de manière euh, Conscientiser, mais, mais peut-être, hein. mmh. peut-être notamment le à là, il avait un discours qui était assez euh, élaboré. Mais... Et ben, peut-être qu'il relève cette hypocrisie et cette incohérence. Mais c'est là, là qu'on revient à ce que j'avais dit c'est que pour eux, s'il faut dire non contre l'homophobie, il n'y a pas de soucis. C'est un peu ah. comme Tarek Amata, mais c'est là que non à l'homophobie, mais voilà. c'est là que la gauche il faut qu'elle qu soit conséquente sur cette question, qu'elle arrête l'idéalisme. Et c'est ce que j'avais dit euh, quand j'étais allé euh, chez Dani Raz avec Crohn, euh, avec Moufet et tout c'est que il faut être matérialiste, il faut arrêter d'être dans l'idéal de euh, en fait on va faire en sorte que tout le monde aime euh, les LGBT et tout parce que ça n'arrivera pas en fait il faut, faire, il faut faire il faut être clair on est dans, le, dans le, ce réel là et il faut prendre en compte ce réel là et dans ce réel là il y a des gens qui croient à des religions et dans ces religions la, la lecture majoritaire c'est que euh, bah, l'homosexualité c'est pas quelque chose d'autorisé ce qui ne signifie pas que euh, des, des musulmans ou des, des chrétiens ne peuvent pas l'être et tout mais que voilà c'est pas quelque chose où les, les, les euh, croyants de cette religion vont, vont, vont dire ah non c'est bien il faut le faire et tout Quoi que vous fassiez On Ça sera dire, ça tu vois. Ces religions réprouvent ces Non pratiques. mais et, et, pour, et pour faire un petit parallèle Sur pas autorisé c'est ça, ça veut pas dire Que quelqu'un Qui fait quelque chose De pas autorisé Est forcément mmh. D'emblée Un mauvais musulman Qu'il faut condamner et tout Je vais faire un truc tout simple C'est l'exemple Que je prends très souvent Il y a un truc Qui est obligatoire dans l'islam C'est la prière Tout le monde Tout le monde va vous dire C'est le pilier de l'islam Pourtant il y en a plein qui le font pas et que on considère comme des bons musulmans voilà je veux dire euh, qui y, qu y a pas de jugement que les gens fréquentent qui vont pas agresser parce que et, euh, ils, font, ils font la prière mais euh, qui font pas la prière mais ce qui est important c'est de se dire quelle est, quelle est la solution qu'on peut avoir là Quelle est la solution qu'on peut avoir Si vous vous attendez à ce que les musulmans, mais même les, mais même les cathos et tout, deviennent gay-friendly, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Et les gens qui font ça savent très bien. T'sais, ils vont exprès poser T'en penses quoi des homosexuels nanani, nanana. Et si tu vas par là, tu ne vas jamais y arriver un parce terminé, que. Ça, un voilà, un mais un religieux ne va jamais dire Ah, c'est bah, génial, euh, vive l'homosexualité. Ça ne va jamais arriver. Par contre, ce qu'on pourrait demander comme minimum, c'est le respect. C'est-à-dire, écoute, moi j'ai mes convictions personnelles. Mes convictions personnelles, ce sont mes convictions personnelles. Je n'ai aucune envie de te les imposer. Mais voilà, veux dire, tu, tu fais ce que tu veux, tu fais ta vie, tu veux être homosexuel, je le respecte. Moi je pense ça, mais on s'en fout. Et juste pour terminer, c'est un, une chose qu'on applique avec le racisme, avec l'islamophobie. L'islamophobie, on n'arrête pas de dire, on n'a aucune envie que les gens aiment l'islam. Les gens ont le droit de détester. Intérieurement, ils ont le droit de penser que c'est la, la religion la plus conne du monde, la plus débile. On n'en a rien à foutre. C'est votre opinion personnelle. Vous pensez ce que vous voulez. La limite, c'est quand vous participez à ce que des gens ne puissent pas pratiquer cette religion. C'est ce je... ça le truc. C'est ça le truc. Si on va dans le truc ouais, interne ouais, de changer ouais, l'esprit, ouais. des... on va jamais y arriver. C'est pour ça qu'il faut vraiment être euh, clair sur, sur quoi on agit. Bien sûr, on doit légiférer... Le petit tunnel de Wissam, quand même. Pardon. Le signal. Non, 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 il était bien son, il était bien son petit truc. Et euh, c'est un tunnel sous la Manche, pas sous le Pacifique. Bon, euh, je veux dire comment... Euh... Non, mais tu as tout à fait raison. On doit légiférer dans la défense, pas, pas dans la... Pas dans la suspicion et dans l'interrogation et aller interroger, comme on dit, euh, aller sonder euh, euh, comment les les, euh, les reins et les cœurs, comme on ouais, dit, hein, pour ouais, savoir si, le, si la personne c est, est vrai vraiment demande, voilà fait, est ça et, et, et nous ce qu'on dit non. Dans la défense, oui, oui à des lois qui protègent les homosexuels, oui à des lois qui protègent les musulmans, oui il y a des lois qui condamnent les fascistes. Mais d'ici aller dire maintenant on va faire demain des lois pour des gens qui n'aiment pas, euh, comment euh, enfin qui ne se revendiquent pas, ou même à la limite, qui demain on fera une loi parce que quelqu'un refuse de porter un drapeau comme un maillot LGBT. Je veux dire, c'est absolument hallucinant. Non, non, et le droit, moi c'est ce que je disais, le droit à la neutralité mais c'est une neutralité qui est bienveillante encore une fois on peut très bien quelqu'un peut, quelqu peut très bien dire qu'effectivement euh, comment, bon, bah, pour, en vertu de ses convictions, il n'a pas envie de, 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 de faire la promotion de cela, mais ça ne veut pas dire que cette personne va être d'accord, je le dis encore une fois, donc on n'a pas du tout à le, à, le, à, le, à le stigmatiser pour cela et surtout à le pénaliser, parce que le problème il est, là, il est que c'est un impérialiste qui nous fait l'injonction, qui nous dit quoi penser, qui nous doit quoi manger, qui, et qui en fait fait Mille fois le contraire de ce qu'il dit. Mmh. Mille fois le contraire de ce qu'il dit. Mmh. Parce que je, je crois que ça avait été même bien, bien analysé dans un texte que j'ai lu récemment où j'arrive pas à retrouver. C'était par rapport aux États-Unis, hein. même c'est par rapport à, à tout ce qui est euh, euh, comment, euh, affirmative action, etc., aux États-Unis. Hein. Euh, mmh. C'est pas parce qu'il y a de l'affirmative action aux États-Unis que les États-Unis. Discrimination positive. Voilà. Discrimination positive. positives. C'est pas parce qu'il qu y a qu la discrimination positive qu'il n'y a plus de négrophobie aux États-Unis. Ouais, tout le monde sait très ouais, bien, bien que c'est un régime sûr. qui est totalement négrophobe, ouais. même quand il a un président qui est noir. Ouais. C'est ça qui est absolument hallucinant. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, c'est ouais. que ça avait été très bien analysé. Mais Dommage. C'était de la symbolique. quoi. Mais exactement. Et, 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 et ça devient juste quelque chose superficiel qu'on utilise comme ça, qu'on qu'on brandit, on dit on est super, on est parfait on est on, est, on est géniaux, on est on est bien sur tout, euh, c'est comme pour l'antisémitisme on, on a un état en France qui est structurellement antisémite encore, hein, où il n'y a pas eu réellement hein, de dépéténisation à la fin de la seconde guerre mondiale, où il y a encore des structures antisémites, racistes, Et etc Et, mais on va nous dire aujourd'hui, ah bah demain on nous aussi porter un, 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 un maillot en disant non à l'antisémitisme, mais c'est stupide oui, c'est de, de la pure hypocrisie Hein alors que on laisse des parader, on paradés, etc. Et on essaie d'instrumentaliser en plus la cause de, comment, de la lutte contre l'antisémitisme. On le voit bien. Et, tu voulais conclure bah, sur juste ça non, On conclure et on passe voilà à autre chose. chose. On a juste fait pour beaucoup de temps, euh, une petite illustration bah, parce qu'il y en a un qui n'en manque pas une, c'est euh, Daniel Riolo, c'est un journaliste de RMC qui est euh, dans le progressisme, euh, le charlisme, on va dire. Euh, bah, attends, Riolo, c'est euh, pas celui qui débat parallèle Il pas parallèle. Ouais. Voilà, et qui va nous donner des leçons et sur. Lui, alors euh... lui, le... aujourd'hui, son, son créneau, c'est le charlisme. Tu vois Et là, il dit, je veux dire, je suis Charlie, etc. voilà, mais ouais. tu sais de, de euh, euh, porter à un niveau où c'est devenu vraiment un, un dogme quoi, tu vois ouais. et, euh, et donc, il, il déclare dans l'émission, ça ne veut rien. Bien la, les mots qui sont choisis. Hein, ça ne veut pas rentrer dans la tête de ces aveugles, ouais. de ces obscurantistes. Ils disent, il n'y a pas de raison qu'on défende cette cause. Tu ne défends pas une, tu ne défends pas. Merde, je vois. Excusez-moi. Désolé. Euh, tu ne défends pas une cause, tu dis je suis contre les agressions, contre les homos. C'est un message de paix, de tolérance. L'homophobie est extrêmement présente dans le foot et c'est de pire en pire. La situation est très grave. Non, mais voilà, il se la joue progressiste alors qu'à côté, euh, quand il y a une femme qui, euh, con, qui euh, accuse en fait, quelqu'un je... de viol, il dit non. mais elle était pas, elle était pas ouf. Hein elle était... Tu vois, c'est le débat parallèle. Elle oh. est pas ouf quand même, elle cette meuf. Oui, c'est oui. ça. Il y a une femme qui, 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 qui ah. s'est peut-être fait violer, il est en mode. Pas ouf la meuf. Ouais, pas, pas très belle hein. ouais, Il, ah aurait, oui, pu, il, il aurait pu, il aurait pu trouver là. mieux le violeur. Enfin, le débat pas voilà, ça vient de voilà. là en fait. Ah, ah, non, ouais. mais... Ou le même bah... mec qui affirme qu'il faut interdire le voile dans l'espace public. Non mais voilà, non mais Rio... euh, heureusement, euh, encore je dis, heureusement que. Euh, je veux dire les 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 les, 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 les fachos, là, jouent sur le dos des, 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 des noirs et des arabes. Tu vois ils vont ça. trouver des noirs et des arabes. C'était l'objet d'hypocrisie.